Bonjour et bienvenue dans le train 13 bis, un peu en retard de quelques minutes, nous allons reprendre d'ici peu. Bonjour. Je vais vous mettre du coup le début. Rappelez-vous aux oreilles, attention. Bonjour, le train 13 bis est en direction de la suite de l'histoire. On ne sait pas exactement où ça va, mais on continue. Il y a eu un petit décalage dû à une pause. J'espère que vous êtes tous bien attachés. Nous allons commencer. Ils ont un peu une voix nasillarde, j'espère que j'y arrive. Je sais que j'en ai une aussi. Je m'assois bien. Attendez, je vérifie aussi le son. Ça a l'air bien. C'est pas trop fort. Bonjour le chat. Tu vas bien le chat? Le son est un peu fort, j'ai l'impression. Je vais baisser. Attendez, je vérifie. Est-ce que vous entendez bien le chat? L'air mieux. Alors, est-ce que c'est parti? Non. Est-ce que je suis sur la bonne fenêtre? 90 000 fenêtres ouvertes. Il y a un chat sur mes genoux. Qu'est-ce qui se passe? Ah. La manette ne répond plus. Manette ne répond plus. Attention les oreilles, peut-être Windows qui va s'énerver. Ah, c'est bon. On peut y aller? Je dois reconnaître que je ne m'attendais pas à ce que la terre des morts soit si belle. Parlons à Sam, qui sait. Ouah, c'est incroyable. Prochain arrêt, baie de baleine blanche. La baie de la baleine blanche! Oh, je le savais. Bien, on est fichu, c'est sûr. Oh non, pauvre petite baleine. Faut la sauver. On dirait Omori avec son histoire de... Oh, il y a un petit cerf. Je pense qu'on va pas pouvoir la sauver, j'ai l'impression. Waouh. C'est gigantesque ici, ça doit être la ville. Jon, dépêche-toi. Hein. Et voilà, on est arrivé dans Last of Us. J'espère que vous appréciez Last of Us. Mon petit chat, tu apprécies Last of Us? Mon petit chat. Petit chat. Attention, t'es en train de t'emmêler dans les fils.
Petit chat. Petit chat. T'es en train de mettre ta tête au milieu des fils. Attends, bouge pas. Voilà, c'est mieux comme ça. Au secours, sauvez-moi. Ce vent toxique, ce soleil cuisant. Je vais mourir, j'en suis certain. Mais qu'est-ce que vous racontez? Regardez-nous, tout va bien. Je n'y crois pas. Je ne peux simplement pas y croire. La surface n'est que désolation, la ville a complètement déserté. Ça, c'était une citation. Ah oui, j'étais déjà sur la gestion du stream. Ah, je remets. J'ai pas vu l'automode du coup passer, mais bon, c'est pas... Jasper, viens avec nous. Je ne bouge plus. Pas tant que je ne trouve pas quelqu'un qui me comprenne vraiment. Et c'est par où qu'on passe, nous? On va aller du côté de la forêt? Ah non, on en descend. Trop tard. Attendez, on va aller voir du côté du cerf. Le cerf, c'est par où, c'est par là? La musique est pas très changeante, hein. On est devenu tout petit. Allons voir la cabane. Apparemment, on ne peut pas. Il écrit quoi? On ne sait pas. Bon bah on descend, on va voir ce qui se passe en bas. Hein, parce qu'on est monté, mais maintenant... Ah! Je sais pas si c'est par là qu'il faut aller. Ok, on peut remonter directement. Yel comprendre. Ouais, c'est vrai qu'on sait, on sait pas trop, mais je crois que j'espère expliquer ce genre au masculin. Hein. Je ne sais. Mais j'espère aussi. Alors, col de montagne. On est au col de la montagne. Oh, il y a un arrêt de bus. Attendez, on va où? Bon. Ah, c'est Van Life. Attendez, Van Life. Faut qu'on sauvegarde dans son frigo. Il y a une baleine géante au sommet de cette montagne. D'après la légende, c'est un monstre qui se nourrit de souvenirs. Ah. Sauvegardez vos souvenirs? Oui, bien sûr. Jon, regarde, il y a quelqu'un là-bas. Oh, la coupe. Je trouve que c'était bien la pause, c'est bien parce que c'était au bout de 2 heures. Je rappelle que 2 heures d'écran, en général, faut faire une pause. Même au travail. Histoire que de sauvegarder nos corps, nos yeux, nos tunnels vision, on va dire, parce que c'est un peu ça. Au bout de 2 heures, un peu le dos. On souffle un peu, histoire de... Ah tiens, elle est là. La boîte. 50 unités de sel. Bon, allez, allons voir la personne qui est en bas. La vallée. Ah oui, mais du coup, on a fait le tour. Comment qu'on va voir la dame? Ou le monsieur, je ne sais pas. C'est pas là? Ah. Bah, elle est plus... Il n'y a plus personne ici. C'est pas là? Il y a des creux. Pas taper. On est dans le... Ça a l'air d'être bien pour l'instant. Jon! Ah, c'est le yinche. Jon le yinche. Ah, il a une bonne tête, le Jon le yinche. Tu as faim, mon grand? Viens, je vais te donner ton petit déjeuner. Oh, qui êtes-vous? Moi, c'est Sam. Et voilà, Jon. On vient de l'île Cocotte. L'île Cocotte? Ah, je vois, vous venez d'ailleurs. Je devrais informer le maire qu'on a des visiteurs. Non, surtout pas. Le maire va nous arrêter, nous jeter aux oubliettes. Oh là là, tu n'as aucune raison de t'inquiéter, ma chérie. La mairie d'ici est très gentille et très accueillante. Je m'appelle Uva. Vous devriez vous arrêter au village. Tout le monde serait très surpris de vous voir. Viens, Jon. Allez, mon grand. Oh, oups, je parlais à Jon. Qu'est-ce que je dis? Au chien, je parlais au chien. Jon, pas à toi. Je sais bien que tu n'es pas un chien. Bref, je ferais mieux de me taire.
Je vous attendrai à la baleine des bois. À la baleine des bois? Il y a une baleine de bois, c'est trop bien. Mais ça veut dire qu'il y a une autre baleine qui est en train de décéder. Hein. Attends, mais on peut aller là? Non, pas du tout. Ok. C'est un village. Joue, regarde, c'est un village. Oula, le maire. Le maire ressemble à un poisson. Vous avez réussi, bienvenue à tous les deux. Ouais, on a réussi, on va pouvoir sauvegarder, payer de l'argent. Attendez, moi je vais aller payer de l'argent là-bas. Réfrigérateur, on place des choses dans le réfrigérateur. Oui, bon, bref, voilà, bon, ok. On sauvegarde, again, parce qu'on sauvegarde tout le temps, c'est mieux. Je suis sauvegarde man. Alors, approvisionnement rapide, ça c'est pas mal. Bon, c'est pas très intéressant. Ah, qu'est-ce qui se passe? J'ai un problème de... Non! Attendez. Qu'est-ce qui se passe? Non! Il y a un bug! Un bug de touche, attendez. Je connais ce bug de touche. C'est à cause de la manette. Je connais, c'est toujours à cause de la manette, voilà. L'eau de munitions, on n'a pas besoin. Amélioration de bombes, peut-être. Vous permet de transporter davantage de bombes, c'est pas mal. On est niveau 1. En bombes. Qu'est-ce qu'on paye? On va payer les deux, hein. Je tiens à préciser que c'est possible que je ne sois nul au tir, hein. Donc on verra après. J'ai pas assez de pièces. Ah! Mince. Bon bah salut, hein. Encore plus, on a les mains plus dans les poches. Bonjour Trapper, Carquois, il s'appelle. Bonjour, bienvenue à Verte Colline. Le maire vous attend. Il est dans, devant la baleine des bois. Ok. Je peux dire bonjour aux arbres. Bonjour les arbres. Bonjour l'épouvantail. Tu as vu cette tête? Il a pas l'air très rassuré l'épouvantail. Oh. Oh. On peut jouer à Earthbound ici. Est-ce qu'on peut déclencher, on peut payer des trucs là? Ah oui, j'ai des trucs. Attendez. Alors Earthbound, c'est le jeu dans le jeu. Hein. On n'a jamais joué encore. Pour l'instant, on se paye des trucs. Il est si mignon qu'il se fait harceler par les autres monstres. Ah oui, mais celui-là, on a déjà eu le ver des dunes. Ver de dunes. Si vous voyez la ref. Parce que l'épice et le ver et l'épice. Et là, on a un rat enragé. Une créature féroce et agile. T'es mal à la taille du rat, quoi. Le garage est envahi de rats. Ces derniers temps, à tel point que les câbles commencent à en pâtir. Allez, on en paye encore un. D'après la légende, on trouve des créatures de ce genre au pays du vent. Il neige à présent, en été également. C'est peut-être un effet du miasme. C'est un champignon. Petit chacha. Ça va? T'as l'air bien posé sur moi. Alors bonjour. Sarah. Ça alors, un étranger, as-tu vu, va? C'est la fierté du village, pour ainsi dire. C'est quoi ça? Ça? Ce sont des beignets souris? À Ouloud pour les intimes, exactement. C'est Chahi, je sais plus comment il prononce. Et c'était bien placé ce passage-là. Après c'était un peu dommage parce que c'est... Mais c'était bien placé dans le film. Comment ils ont sorti le terme. Est-ce qu'on peut monter par là? Non. Bonjour, vous êtes un pêcheur, vous. Est-ce que vous nous apprenez à pêcher comme dans tous les jeux? Oh, c'est vous les étrangers dont parlait Uva? Ah non, c'est pas un pêcheur, c'est juste quelqu'un. Seb, des étrangers. Oh, je veux voir, je veux voir. Écoute-moi bien, mon garçon. Si tu touches à un cheveu de. Casse-toi. Plus t'as soif pendant des semaines. Mais qui êtes-vous? Non mais il fait le gros dur, ça change rien ce qu'il soit tendre, on s'en fiche. Profite du soleil 13 bis, mais oui, mais je profite. Là, tu vois. J'ai fait mon glow up hier. Viens au ranch des hélicoptères, les héliports, ça c'est...
à l'est de la vallée. Et oui, je profite du soleil, bien entendu, parce que ce jeu nous amène à profiter du soleil. Mais c'est vrai qu'il fait beau dehors. J'espère que ça se voit. Je verrai vraiment de quoi tu es capable. Est-ce qu'on peut parler à la... Ah oui, on peut. Tati Gisèle, ça y est. Oh oui, c'est le grand moment, le moisson. Oui, un peu, Terrestrine, tu as pas tort. D'ailleurs, Terrestrine, est-ce que tu sais que tu as une commande spécifique ici, que j'ai pas mis à jour, je crois d'ailleurs, mais je te l'envoie. Attention, je me balade dans le monde. Hop, le monde du back-office de Twitch. Dans le confort de beaux jeux. Bon, après, est-ce qu'il y a beaucoup à mettre à jour sur ça? Je ne sais pas. Oh, mais regardez-moi cet effet. Tout ce... Ah, la moisson, d'accord. La moisson ne commence pas avant, après-demain, en gros. Elle commence à sucrer les fraises. Bonne expression. Ne fait plus la différence entre une oie et un renard. Ouf, il est cassé où. Salut. C'est alors, ça fait des années qu'on n'a pas vu quelqu'un de l'extérieur. Vous venez de l'autre côté de la montagne? Non. On vient d'en dessous. Ah bah attends, ne nous spoil pas la misogynie dans les jeux, voyons, Terrestrine. Oh, à quel moment tu... Alors, Living Bell, je suis pas d'accord. Moi, je serais plus de nuit, comme personne, je t'avoue. Plus nocturne. Voilà. Mais je prends les compliments, hein. De toute façon, ici, on est dans le stream des compliments. Je suis pour les compliments. De distribuer vos compliments un peu partout, c'est toujours nécessaire. Voilà. Si vous voulez complimenter d'autres personnes dans ce stream, il y a du beau monde quand même, hein, donc allez-y. Oui, bah, je... Merci de prévenir, clairement, Terrestrine. Tu vas voir que, déjà, on a déjà rencontré l'autre pêcheur, hein, FSP, déjà. Mais, ouais. Attention, du coup, merci, Terrestrine, de nous prévenir. Attention, misogynie in progress. J'ai un halo. Ah, c'est le rond. Ah, oui, c'est possible. Je vérifie. On dirait. mais ce n'est pas le cas. Wes. Monsieur le maire. Oh, si c'est pas Uva, toujours aussi ravi. J'aimerais te représenter quelqu'un. Voici Jon et cette jeune demoiselle, Sam. Jon? Mais je viens de voir Jon ce matin, non? Le pêcheur, c'est pas le pire. Aïe, aïe. Il est passé où d'ailleurs, ce petit chenapan? C'est Jon l'humain, ouais. Un halo jaune de point tour, exact. On dirait bien deux nouvelles têtes. Est-ce que ça dérangerait qu'il séjourne dans la vieille cabane par un temps, par ce temps? Il ressemble à un poisson-chat, en fait. Je sais pas si vous voulez voir la différence entre un poisson-chat et ce personnage, mais c'est un poisson-chat, en fait. Il a les branchies, presque, et les moustaches. Qu'en dis-tu, mon garçon? Il va... Je ne lirai pas. Les gaietés de la jeunesse. Mais casse-toi! Je m'excuse, le maire est assez facétieux. Il est pas facétieux. C'est Jean-Luc Mélenchon. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Attendez, je vais regarder s'il y a dans mon... Jean-Luc. J'ai juste tapé Mélenchon, je suis sûr que j'ai trouvé un truc. Mélenchon. J'essaye de tester des nouveaux sons, vous avez dû remarquer. Ah, j'ai mis Mélenchon. Mélenchon. Un poisson stache.
Ah d'accord. Ok, merci. Je savais, je m'attendais pas à ça, mais ok. Oui, il est relou, oui, bien sûr. Totalement relou. Je suis d'accord. Petit chat. Petit chat, veux-tu arrêter de te faire les griffes? Petit chat, prends un pèse. Tiens, regarde. Tu veux? Un pèse avec une tête de chien. De chien, c'est une tête de cheval. Tu veux? Prends un pèse. Tu veux pas? Tant pis pour toi. Vous pourrez vous y reposer. S'il vous faut quoi que ce soit, n'hésitez pas à me demander. On y va alors? Est-ce que le chien, le Jon, va nous accompagner? Et on va toujours avoir ce problème de qui est qui. Bonjour, Jon. Ouf, ouf. Trop mignon. C'est pas ça? Ok. Et là, on peut faire des armes ou quoi? Ça, c'est quoi, ça? Oh, j'ai cru qu'il y avait marqué 13-12 sur le bateau. Dommage. Je rappelle. Petit chat. Le petit chat est là. Le petit chat est allé voir le veto récemment. Le petit chat est albator. Merci pour le soin. Hein. Il y a une boîte. Oui, le petit chat est albator parce que apparemment il est, le petit chat a des tocs. Enfin, c'est pas comme ça qu'on appelle ça pour les chats, j'imagine, mais en fait, c'est un peu nettoyage absolu tout le temps, quoi. Du coup, grattage d'œil et aïe. Tu dois être le visiteur dont tout le monde parle. Et qui avons-nous là? Si ce n'est pas la... Ok. Casse-toi. Monsieur, madame Grain-Gorge, Grain-d'Orge. Cette soupe, oh oh oh, une douceur pour le dieu de la montagne. La moisson est prévue pour après-demain, tu sais. Nous, on a fait des trucs. Alors, du coup, on a fait comme. Alors, attendez, on a fait quoi comme cuisine? On a fait une poêlée de légumes, des légumes sautés, œufs à la vapeur, et bien entendu, pâte aux fruits des sables. Voilà! C'est la fête au village de ce soir. Tu sais, ça va être la fiesta. Tout le monde se réunit pour célébrer la moisson. Ok. Ho ho ho. Tu trépines de patience. Mamie aussi. Alors, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il y a des trucs ici? Non, non, non. Non. Oh, il y a des presses pour faire des manifestes. Allez, on va faire des manifestes. On vous a vu, hein. On vous a reconnu, les militants du village. Bon, alors, ici, on peut rentrer. Ça y est. Oh non, il faut parler avec cette dame. Excusez-moi, madame, au revoir. Ah, on vous a pas parlé à vous, je crois. Bonjour, Ingrid. Ça alors, ça fait des années qu'on n'a pas vu quelqu'un de l'extérieur. Vous venez de l'autre côté, de la montagne? Ah si, on t'a déjà parlé. On peut pas ouvrir ta porte, donc on va dire que c'est fait. J'aime beaucoup le déplacement de l'orge... Sur ce truc. Et là, il y a quoi? On peut rentrer. Chez Uva. Alors, pillons comme dans Skyrim. Ah, il n'y a rien à piller. Dommage. Quoi de neuf? Des recettes? Bah, en fait, oui, c'est ça, le truc. C'est que... Au final, on fait du level up recette ici. Hein. J'espère que, d'ailleurs, je t'ai pas dit, mais je t'ai pas demandé, mais j'espère que Terrestrine, tu vas bien. Jette un coup d'œil, que des légumes frais du coup. Oh, on va pouvoir acheter des trucs. Alors déjà, on va acheter une extension du sac à dos, parce que c'est toujours intéressant et toujours important, avoir un gros sac à dos avec plein de poches. Voilà. Et ensuite, on va acheter d'autres trucs. Jette un coup d'œil, oui, bien sûr, les légumes de saison. Qu'est-ce qu'il y a? La bière, c'est des légumes? Ah, des potirons, allez. Voilà. Du lard, peut-être pas. Il y a du lait. On va acheter du lait. On va tout acheter, hein, parce que nous, on est des cuisiniers en herbe. J'ai pas assez de sel, mince. Oh, on peut pas acheter du caramel. Dommage. Et là, on peut faire à manger. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on peut faire un petit mélange potiron, pomme et... Est-ce qu'on va pouvoir mettre du poivre? Non. Ah, et on a quand même du caramagma. Les fruits des sables. Est-ce que ça fait un petit mijoté de légumes? Je n'essaye même pas. Je vous le préviens, je n'essaye même pas ce jeu.
Une salade de fruits, voilà, là on est prêt. Allez, salut. Alors du coup, je me rappellerai jamais de comment faire, mais c'est pas grave, c'est écrit dans le livre de recettes, j'imagine. Monsieur, est-ce que si vous avez un problème d'isolation, vous devrez aller voir avec votre propriétaire? Au revoir. Ou sinon la mairie. Enfin bref. Oui, si vous avez des problèmes d'isolation, vous pouvez aller vous plaindre, hein. Bien entendu. L'État, normalement, est censé vous protéger des problèmes d'isolation. Et des abus que le propriétaire peut ou la propriétaire peut vous mettre dans les roues. Il y a une instruction. On va parler à Uva parce que j'ai l'impression que c'est la seule qui peut nous parler. Une fête demain soir, il y a une fête. Ok. Quoi? Des blettes? C'est fini les blettes, je crois. C'est plus de saison maintenant. On est passé au poireau. Petit chat. Petit chat. Arrête, s'il te plaît, de faire les griffes. Des blettes de qui? De blettes de quoi? De toute façon, c'est pas mon truc, les blettes. Ça ne me fait mal à la tête. Je n'en mange pas. Ok, on a compris, monsieur le maire. On est déjà passé par là. Je sais plus où on doit aller. Je vais regarder la carte, hein. Je pense que c'est le bon moment. Il faut aller en bas. Ok. Et on est allé en... on est parti d'en haut, mais on n'a pas fait tout le tour de là-haut. C'est joli, comme relief. L'État est supposé t'isoler des problèmes d'isolation. Normalement, il est censé protéger un peu quand même les citoyens. Mais alors, isolé, je sais pas. Normalement, c'est censé être un peu. Ah oui, c'est là où on a acheté des trucs, non? Oui. J'ai perdu une partie de mon chemin. Bon, bah, salut le trappeur, hein, salut. Ciao, hein. C'était cool de vous voir. Bonjour, au revoir. Ah bah Emily, elle a été sympa avec Jasper. Un bar et vous êtes produit là? J'y crois pas. Pourquoi mentirais-je? Jasper, il a été attiré par des fans. Une certaine renommée là-bas, je te signale. Je suis scotché. Donc c'est grâce à la discussion avec les fans qu'il a réussi à se déplacer, Jasper. Ça veut dire quoi scotché? Bah en fait tu prends du scotch, c'est une marque de ruban adhésive, et après en fait tu fais un terme pour pouvoir plus distribuer. Ce ruban adhésif là. Et ensuite, tu décides de créer de la colle, et au lieu de l'appeler de la colle, tu l'appelles de passe-moi ta UU, par exemple. Et si tu décides un jour d'utiliser, par exemple, des post-it, donc des petits papiers au final, où tu peux noter des choses, voilà, au lieu de dire note ou petit papier, tu dis post-it. Et sinon, comme ça permet de distribuer un peu plus le commerce de une seule branche du côté commercial. Mais sinon, il y a un autre truc aussi, ça s'appelle comment déjà? Quand on met des petites boules derrière les posters pour pouvoir. Voilà. C'est un peu la même chose. On l'a nommé uniquement pour faire fonctionner une économie qui ne fonctionne pas sinon. Encore des ringards, comme tout le monde ici. On s'en fiche d'eux. La blague là, elle a été noyée par le spam de 12 bis. Je pense que c'est bien. On s'en fiche de. Oh, dites-moi plus sur le bar. J'ai entendu des trucs, vous saviez. Comme quoi les gens là-bas sont à moitié nus. Qui êtes-vous? Émilie, je n'ai pas envie de discuter avec vous. Mais je crois que c'est impossible de récupérer Jasper si on ne discute pas avec vous. J'aimerais trop aller voir toutes les lumières et les couleurs. Ah, tu vas aller voir la ville, quoi. Ok, et dire que j'allais rencontrer quelqu'un ici à la surface, et non seulement ça. Mais c'est un ange qui me comprend véritablement. Bah, c'est bien, j'espère, c'est cool. Vas-y, on se casse. Salut, ciao! La 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 la, c'est le tuto balade. Alors, comment se balader? C'est simple, vous voyez des flèches qui vont dans l'autre sens. Mais en fait, c'est dans l'autre sens qu'il faut aller, comme dans tous les jeux. Comme ça, vous pouvez vérifier les endroits où vous voulez aller. Bim, bim, bim. Et hop, ça fait pas des mêmes trucs. On va monter. On peut pas remonter? Ah si, on remonte pas là. Je veux juste remonter pour voir parce qu'on n'est pas allé à droite quand on était en haut. Donc je veux juste voir où ça nous amène.
Ça va, ça vous dérange pas que je critique un peu le système commercial et leur technique de communication? J'espère. Alors, on n'est pas allé en bas, je crois, en fait. On peut pas aller en bas? Non. Is that possible? Ah là là. Mais moi, j'ai pas envie de voir cette baleine, en fait, plus longtemps, donc je pars. Salut. Ça me rend triste. Donc, on va essayer d'éviter de faire comme Omori et de se perdre et de louper un boss. Ça serait bien. Alors, je vais regarder la carte. Oui, non, peut-être, c'est en bas. Et ensuite, là, il y a une porte. Je crois, ici. Mais c'est pas par là qu'il faut aller. Ah, quoique, attendez. Par où on arrive, vu qu'on arrive trop haut là, je crois. Oui. Ah, faut que je monte encore. Excusez-moi, bonjour, au revoir. Je traverse encore ce village. Bonjour Jasper, bonjour Emily, je suis pas perdu, hein. Bonjour Trapper, hein. C'était pas moi tout à l'heure, hein. Je fais juste le tour du village. Hein? Bonjour Monsieur le Poissonnier. C'est pas par là qu'il faut aller? Non. Par ici. Ah bah on n'avait pas vu cette boîte. Et on a de la thune. Allez, on va racheter des trucs. Hein. Peut utiliser ça? Ouais. Ouvre. Ouvre le bateau. Ah non, pas. Alors du coup, non. Bah non, ce n'est pas par là. Comment qu'on arrive là-bas? Faut que je monte quelque chose, j'imagine. Bon, on va faire des courses. Que vous voyez que j'utilise à 100% mes yeux. Bonjour, je voudrais acheter le reste de l'augmentation qu'on avait tout à l'heure. Ah, il y a de la laitue. Du citron, acheter du citron et de la laitue. Voilà, merci. On a claqué 50 balles. Salut. C'est par où qu'il faut aller? J'imagine que c'est en bas. Après, quand on est en bas, là on est ici, donc c'est pas ici. Au revoir. Et là, je vais essayer d'aller à droite, mais je ne peux pas. Là, on peut pas monter, on peut pas monter. Là, on peut pas monter. Peut-être avec l'eau, mais je sais pas par où. Là, c'est dans l'autre sens. Et là, on devrait pouvoir y arriver par ici. Ah non, je suis trop bas déjà. Oh là là. Attendez, c'est où qu'on monte? Ah, faut que je remonte. Ok. J'ai vu, il y avait des plis. Il y a des plis dans le relief. Ça veut dire qu'il y a y a des escaliers. Voilà. Ici, si je monte une fois et que je tourne ici, derrière cette petite arbre, je peux aller par là et descendre là. Que j'avais fait tout à l'heure. Que j'avais pas traversé ce pont, je crois. Voilà, donc c'est par là maintenant. Ah. C'est notre maison? Je crois qu'il y a un problème d'isolation aussi. Hein. Comme c'est étrange. Vous avez dû vivre bien des choses. Il y a encore plus de couleurs dans vos souvenirs. Ok, sauvegardez vos souvenirs. On sauvegarde. C'est ma maison, ça? Ah! Regarde, Jon, un lit. Ça fait un moment qu'on n'a pas eu un lit. C'était il y a moins d'un jour. Et regarde cette énorme marmite. Tu vas pouvoir nous préparer plein de bonnes choses là-dedans. Jon, viens par ici, on peut voir dehors. Ah bon? Il y a des arbres, tout plein d'arbres. C'est bien. Je me demande si on peut voir Verte Colline d'ici. Ah oui, là-bas. Ah tiens, Uva. Uva est bien. Ok. Bon, attendez, je check un peu cette maison. Bon, il y a une radio.
Il y a, on dirait, une cheminée qui s'est écroulée. Et on peut cuisiner. Est-ce qu'on essaie de cuisiner la laitue avec quelque chose? La laitue. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Est-ce qu'on pourrait se faire une sorte de petite salade? Ah non, le sac à dos est plein. Ah bah, excusez-moi, hein, je peux pas cuisiner quand on a le sac à dos plein. Ok, tant pis. Oh oh oh! Jon est hyper fort quand il s'agit de taper sur des crânes. Ah. La forêt ici, elle est différente. Il vaut mieux ne pas vous y aventurer trop loin. Non, mais on connaît les bails, hein. À chaque fois qu'on dit ça, après on y va. Jon, viens, allons, on range des héliports. Il y a des ports hélicoptères. C'est génial. Grain d'orge dit toujours que le ranch manque de bras. Avec vous, il aura peut-être exactement l'aide qu'il faut. Oui, si tu veux. Ah, avant que j'oublie, arrêtez vos villages en rentrant, d'accord? Je vais vous préparer un bon petit plat pour le dîner. Dépêche, Jon. Réponds ça et revenons vite manger. C'est en bas qu'il faut aller. It seems so. Allez, à tout à l'heure. Ah. Chargez votre attaque pour déplacer le bateau. Ok. Dans l'autre sens, peut-être. Ah oui, il faut taper ça. Pas bête. Et là, c'est à gauche ou à droite? On va aller à droite. Je suis allé à droite alors que c'est à gauche. Ah! Non! Excusez-moi, attendez, j'ai posé une bombe sans faire exprès. On a récupéré de la thune, hein, dans cette histoire. Je sais pas à quoi ça va, mais voilà. Là 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 là. Oh non, le poiscaille. Vous voilà vous revoilà les Junes. Les Junes? Vous trouvez pas que Jon a l'air un peu plus âgé que vous? En tout cas, t'es bien plus Jun que moi. Bref, vous êtes ici pour donner un coup de main. Oui, Jon est le meilleur mineur du monde. Un mineur? C'est quoi ça? En tout cas, c'est pas compliqué ton boulot. Faire entrer ces héliports dans leur enclos. Ils sont insupportables ces temps-ci. Ils m'ont presque mis à plat toutes mes clôtures. Jon peut plus. T'en as marre que je dis Jon? Dommage, hein. Vaut mieux que tu laisses la demoiselle ici avec moi. Non? Au revoir. Je suis obligé. Bloque-le dans ta bulle, hein, si jamais il y a un problème, hein, Sam. C'est où? Faut pas que... Ah oui, faut que je les aiguille comme ça. Faut qu'ils rentrent en haut. Allez, monte. Monte. Faut pas les énerver, il a dit. Oh non, c'est le pire. Allez, allez. J'ai l'impression de jouer à Zelda 64, là, où tu dois ranger les... Les cocoricos, je sais plus pas les cocoricos, c'était qui déjà? Arrête, arrête, arrête de partir dans l'autre sens. Ah oui, d'accord. Si, c'est à l'étape quand même. Ah oui, après ils sont. Vas-y, pars, pars, pars. Ah oui, ça gonfle. Ah, ça gonfle. Ah d'accord. Allez, allez. Voilà, reste là. C'est là où il faut aller. Arrête de bouger. Pourquoi on tape des porcs en fait? C'était quoi l'histoire? Il est resté en haut l'autre? Oui. Il n'y a pas de temps, hein. C'est ce qui est déjà bien. Allez, allez. Voilà, hop, t'es dedans. Bon, désolé, hein, c'est un peu exploitation animal friendly, hein, ce jeu. Je rentre dedans ou pas? Ah, merci. Ils ont des dents un peu... ça fait peur, hein.
Allez, rentre. Voilà. Non, pars pas. Déjà, ça m'amuse pas. Hein. Là, je suis pas amusé. Ils sont tous au même endroit, ça, mais t'avais pas besoin de bouger. Sacré bon rabatteur des hippers, super. Ce sera tout pour aujourd'hui, mon garçon. La paye! La paye! Si on doit travailler comme ça, tu me donnes la paye, il fait nuit, là. Et en plus, on doit lui donner de la bouffe? Non, mais laisse tomber. Ah, c'est un prix. Ok. Bah écoute, qu'est-ce que je te dis, hein. Salut. Bon, là, il n'y a pas de moyen de faire. Cette poêle qui sert à tout. On tabasse des porcs, ça permet de faire à manger. Bah. Bon, bah, on va se faire à manger nous-mêmes. Hein. Mais notre sac à dos est plein, donc non. Salut! On va sauvegarder. Oh, il y a un vélo dans l'arbre. Comme c'est étrange, vous avez dû vivre bien des choses. Il y a encore plus de couleurs dans votre vie. Ok, je sauvegarde. Du coup, faut qu'on aille au village, hein, j'ai l'impression. Donc on va au village. Hein. C'est pas comme si ça aurait été plus simple si on ne devait pas faire tout le chemin à Yep, mais c'est bien, ça fait une petite balade. J'espère que vous appréciez la balade. La musique est un peu forte, ou pas, hein, je sais pas. Hein. On a plus d'argent. Parce que j'ai tout claqué en bouffe. Au moins, il n'y a pas de loyer à payer. Ah, et on a perdu Jasper. J'espère qu'il était avec Emily, hein, apparemment. Emily, bonjour. Oui, Jasper. Oh, c'est vous? Vous cherchez Jasper? Bien sûr. Il est là-bas. Ah, il est avec les dames. Ok. Je vais lui poser plus de questions sur le bar, mais les poules ont débarqué. Quoi? Ok, bon, casse-toi, en fait. J'en peux plus d'Emily. Bonjour, Jasper. Quel bonheur, ce village. Je suis complètement sous le charme. Bah c'est très bien. Vous parlez de quoi? J'ai entendu dire que vous étiez dominé au ranch. Ce Jasper, il est pas mal non plus. Très bien. Et vous? C'est beaucoup plus violent ici depuis l'arrivée de ce jeune homme. De ces deux jeunes hommes, je veux dire. Et bien sûr, de la petite bouclette. Ok, bon, salut. Ciao. Uva, aide-nous. Ah, vous êtes de retour. Vous devez en avoir plein les pattes. Le dîner est déjà prêt. Entrez, venez manger. Ah, c'est un peu long, là. Et c'est alors que Jon rendit la puissante clé du destin et le plongea dans les entrailles de cette extraordinaire machine, découvrant ainsi le passage secret que la Fremère avait gardé caché pendant tout ce temps. La clé du destin? Oh là là, mais c'est quoi? Ça a l'air trop cool. La clé du destin n'est autre que la grande tige sacrée que Jon a arrachée du dos du crabe cocotte géant. Je viens juste d'inventer ce nom. Oh oh oh, pas mal, hein. Mais revenons à nos moutons. Car voyez-vous, ce dont personne ne se doutait, non, ce n'est que personne n'aurait jamais pu imaginer, c'est qu'à cet instant précis, l'horrible mère suggérait de nulle part et nous accueillerait dans ce tunnel. Oh, misère. C'est à ce moment-là que j'ai su ce que je devais faire. De ma voix forte et puissante, j'ai crié. Fuyez, mes amis! Je me charge de retenir cette infâme Emily. Et je me souviens pas de ça, moi.
Il en a encore pour longtemps avec son histoire? Et juste quand ils sont censés dîner ensemble? À ce rythme, Uva ne va pas réussir à adresser un mot à John. Mais c'est pas un date en fait. Emily, va chercher ce Jar Spare et amène-le ici. Tu veux? Hein? Mais pourquoi moi? Demande à quelqu'un d'autre. Vous étiez comme deux larrons en foire tout à l'heure. Mais c'est pas possible. De ce que j'ai entendu, tu lui as parlé qu'à ton avis. Tu lui as parlé plus qu'à ton vieux père de toute l'année. Sérieux, pas étonnant encore, espèce de boomer. Qu'est-ce qu'on peut bien avoir à se dire, toi et moi? Répète un peu ça, jeune fille. Emily, ma chérie, tout ça n'a rien à voir avec toi, ni avec ton père d'ailleurs. Ça concerne Uva, elle a une occasion en or. Allez, sois gentil. Viens. Viens, petit chat. T'as failli tuer mon téléphone. Mais tu veux pas? D'accord. Pas grave. Oh, je comprends mieux. C'est la journée des dates ici, hein, j'ai l'impression. On est pas du tout dans un système compliqué. Jasper. Oh, Emily, tu arrives juste au moment. Viens, viens, assieds-toi. J'étais en train de raconter notre grande aventure sous terre. On peut sortir une minute, j'ai un truc à te dire. Mais je n'ai pas fini mon histoire. Emily, oh, c'est pas grave, venez, suivez-moi. Que se passe-t-il? Qu'est-ce que vous attendez tous ici? On veut que vous nous racontiez l'histoire de l'île Cocotte. Grand Dieu, c'est vrai. Puis je crois que je suis en train de tomber. Ok, merci. J'espère que t'es pas trop rapide. Par où voulez-vous que je commence? Ah oui, et si je vous racontais le moment où j'ai balancé ces quatre vérités à ce monstre de mer? Ah, attends une seconde. Ça te dit de venir chez... Quoi? Chez moi? Je veux dire, ça peut être assez dangereux dans la montagne la nuit, alors je me suis dit que ce serait peut-être mieux que Sam dorme chez moi. Je prends ça pour un oui. Bon, suis-moi. Ma maison se trouve juste au nord du village. Mais elle était bien, le taudis, là, où on avait trouvé. Ah non, c'est peut-être un peu mieux. Un petit bateau. Ça, c'est un peu long comme passage, là. Genre, on a compris que vous faisiez la marche, mais on y est. Entre, entre. En fait, ça alourdit. Ça alourdit. Ça rend plus long, le... Elle dort à point fermé. Pauvrette, elle devait être lessivée. Jon. Je m'en occupe. Trop mignonne. Elle deviendra une femme formidable un jour. Laissons-la se reposer pour le moment. Ne t'en fais pas, je vais m'occuper d'elle. Moi, je vais dormir dans le bain, là. Comment ça s'appelle? La baignoire. Ah non, tu rentres? Mais non, mais ça va être l'histoire du boss. Hein? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous fichez ici, vous? Oh non! C'est un enlèvement! Quand est-ce que vous êtes entré? On est là depuis le début. Elle dort à dodo. Elle dort à dodo. Pas si tu fais la blague. Depuis que tu as couché la petite bouclette sur ce lit. Lancez le plan, les filles. Le plan? Quel plan? Non mais c'est un date arrangé, on a compris, mais quand même. On veut savoir ce que vous avez fait ici au juste. Ton uniforme de combat, Uva, il te faut ton uniforme de combat. Mon uniforme de combat? Vous voulez que je porte ce machin? Ne sois pas toi-même non plus, mais... Nick ! Mais Nick ! Oh là là...
Faut arrêter de regarder des dramas. Arrêtez! Laissez-moi tranquille! C'est fatigant. Jon! En fait, ce que je veux dire, c'est... Tu veux bien rester avec moi encore un peu? Tu as vu, ces lampes, elles éclairent bien, hein? Je les ai installées le mois dernier, c'est bien ça. Bon, c'est cool, elle me raccompagne déjà, c'est bien. Ah non. J'espère que Téristine, tu es toujours dans le coin. Hein. Parce que là, tu dois revivre du coup le passage du jeu, quoi. Ne capte pas. Ne capte pas. Toi aussi, tu as froid, Jon. Bon, ça marche pas. Hein. Ah là 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 là. On va lui parler, hein, mais bon, le vrai sur Sam, Jon, ne t'en fais pas. Ok, je pars, salut. Salut. Ça se trouve, c'est Jon qui va se faire embarquer sur le chemin. Ah, je suis arrivé direct? Oh, c'est vrai. Attends, je veux faire manger? Non? Ok. Pas très communicatif, hein, ce jeu. Il n'est pas de nuit plus courte que celle d'un fugace rendez-vous. Dites-moi donc qui vous trouve. C'est Jasper. Oula. Pourquoi il est maquillé? Non, il a un masque. C'est Batman? Jasper? Oui, c'est enfin non, j'ignore qui est cet individu que vous nommez ici. Alors qui êtes-vous? Je suis Batman, des yeux perçants comme des projecteurs qui illuminent le crime dans l'obscurité, du sang frais et traces éclatantes de la bataille qui venait de se jouer. Ce n'est nul autre que moi, le pisteur nocturne, c'est vraiment Batman. Oui, petit chat. Je vois. Vous avez besoin de quelque chose, monsieur le pisteur nocturne? Petit chat, ça va? Vous ne pouvez me cacher vos tourments. Ne laissez pas ces angoisses envahir votre vie. Non, suivez plutôt les conseils du cavalier de la nuit. Pff, cavalier de la nuit, viens. Viens, petit chat. Viens avec moi. Viens. Non. Jamais. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que l'on vous recommande, vous devez le dire haut et fort. Viens. Pourquoi tu veux pas venir? Pas d'accord. Il doit y avoir un malentendu, Jasper. Monsieur le pisteur nocturne. Un malentendu et comment... Quoi donc? C'est-à-dire qu'il n'y a rien? Ah, je vois. Vous étiez donc simplement gêné, c'est ça? Jon me plaît. Beaucoup. Tu veux venir? Viens. Viens. Mais là, t'es en train de t'emmêler avec les fils, hein. Fais attention. Mais viens. Si tu veux venir, viens. J'ai déconnecté, regarde. Il n'y a plus le fil du portable. Tu veux venir, le chacha? Viens. 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 Regarde le fil, il est posé. Viens. Tu veux pas? D'accord, t'as eu peur. Tiens, viens. Viens. Albator. Albator, viens.
Je n'avais pas du tout eu cette impression. Bien. Allez, viens. Un petit chat. Merci. Mais il faut que je vous remercie, monsieur le pisteur nocturne. Me remercier ? Oui, pour ce que vous venez de dire. Merci. Parce que vous savez quoi ? C'est vrai, il faut que je retire mon masque. Tiens. Je n'ai aucune raison de me faire passer pour ce que je ne suis pas. C'est bien, Uva. Il faut faire ça. Retirez votre masque. Oui. Je vois que je m'inquiétais pour rien, clairement. Ça va, le petit chat ? Vous vous débrouillez très bien toute seule. Sur ce, je vais prendre congé. Au revoir, très cher. Fais-moi un bisou. Oh, coup de tête. Ah, tu m'as explosé la lèvre. Au revoir, monsieur le pisteur nocturne. Fichtre, je suis passé à deux doigts de la crise cardiaque. C'est quelque chose, cette Uva. Hein. L'espace d'un instant, j'ai cru qu'elle avait vu clair dans, dans mon jeu. À mon avis, elle y a vu clair dès le départ. Je suis bien d'accord. Mais oui, mais oui. Mais, c'est impossible. Tu ne me crois pas ça. Tu ne crois pas ça, toi, hein, Émilie. Bref. Vous voulez pas un peu lâcher ça maintenant ? Uva en pince clairement pour ce type. Ah bon ? Parce que ça, on n'a pas vu. À part qu'elle l'a dit longtemps après le date arrangé, là. Trop bizarre. Tu dis ça comme si on n'avait pas l'obligation morale envers la jeunesse de ce village. Ah bon ? Il y a une obligation morale des vieux, maintenant ? Je sais que je me répète, mais vous êtes vraiment qu'une bande de vieilles biques reloues. Merci, Émilie. Zorgo, surveille ton langage. Ah non, on respecte pas les vieux ici. Elle n'a pas tort, tu sais. On devrait peut-être laisser les jeunes gérer leur histoire toute seule. Possible, oui. Moi non plus. Ça me plaisait pas d'avoir constamment un adulte sur le dos quand j'étais petite. Ah bon ? Ah bon ? Tu ne vas pas t'y mettre, espèce de révolutionnaire. Inutile de nous énerver, Uva. C'est très bien que se débrouiller tout seul. Bah oui, bien sûr. Ça, c'est sûr. Il n'y a pas un homme sur cette terre à qui Uva ne plairait pas. Mais c'est, si, c'est pas les hommes. Mais bon, je dois reconnaître que c'était quand même pas mal, j'espère. De faire avouer à Uva ce qu'elle pense vraiment, je veux dire. Ah, non, c'était... tout ça, c'était l'œuvre du pisteur nocturne. Personne au monde ne peut résister à son charme. D'accord, j'espère. Est-ce qu'on peut jouer au jeu ? C'est long. Encore un long moment pour la journée. Est-ce que le moineau, il va faire partie de notre équipe ? Ah non, il est parti. Jon ! Ah. Problème de connexion, j'ai l'impression. Ah là là. Je vois, ça part en rouge, là. Il vient de se passer un truc énorme. Est-ce qu'on peut vous aider, Uva ? Quand il est question de taper sur des têtes, Jon est vraiment un vrai champion. Tu voudrais bien aller au range des héliports, Jon ? Grindorge a débarqué au village en courant ce matin. On dirait que ces pauvres héliports ont pris la poudre des scampettes. Carquois est déjà parti pour tirer ça au clair, mais je me suis dit que si quelqu'un pouvait l'aider, ce serait toi. Tu t'en es vraiment donné à cœur joie sur ces héliports hier. Tu ne les aurais pas fait fuir quand même ? Bah non, pas du tout. Non. Ces héliports sont très dociles, normalement. Quelque chose a dû les effrayer. Les héliports ont eu peur. Vous ne croyez pas que c'était un monstre, quand même ? C'est difficile à dire, on n'a pas l'habitude de s'aventurer très loin dans la forêt. C'est le territoire du dieu de la montagne. On dirait que ça va être à nous de remettre ces cochons dans leur enclos, Jon. Allez, viens, on range. Bon, on fait ça et après on va s'arrêter, je pense. Ah, parce qu'en plus, il y a le chat qui commence à me demander à manger. Un petit chat ? Tu dis plus rien, hein ? Prends ceci, ce n'est pas un grand chose, mais ça devrait au moins vous aider. C'est un fusil avec multiples balles. Je sais pas ce qu'il nous a donné, mais... Un pistolet, j'en étais sûr. Un fusil pan-pan. Et ça fait des pans. C'est bien, on va pouvoir être équipé. On va acheter des munitions. Et puis, vous n'avez pas encore pris votre petit déjeuner, je vous ai préparé ces sandwichs. Bah merci, mais on n'a pas de place dans notre sac. Ah bah si, merci.
Merci hein, pour la place dans le sac. Fondue au violet. Allez, on y va. Peut-être qu'il faudrait que je m'équipe, du coup. Ah bah, je suis déjà équipé. Ah, c'est pas mal. On tourne mieux. Attendez. On tourne mieux, on peut viser mieux, du coup. On va peut-être changer juste l'arme, là. Juste avant, parce qu'on doit traverser. Comment qu'on change l'arme ? Comment qu'on change l'arme ? Ah ! Oui, d'accord. Ok, donc je rechange. Je fais RB, je prends ça. Un gros pistolet quand même, hein. On a 30 balles. On va voir si on sait viser. La clôture, elle a sauté, défoncé. Tu penses pas que c'était le cochon vert de tout à l'heure, si? Il y a un cochon vert maintenant. Ok. Oh, il claudique. Quelque chose me dit que c'était un truc plus gros que ça. Tu te montes le bon richon pour rien. C'est une petite évasion de cochon, c'est tout. Faut juste qu'on les retrouve. Y a pas péril en demeure. Mais j'en ai marre de ces expressions, en fait. On est là. Oh, monsieur Carquois est là aussi. Luva nous a dit quelque chose. Il était arrivé au ranch des héliports. Donc on a décidé de passer, de proposer notre aide. Ok. Chut. Regarde. Oulala. Là là. Eh bien, on va le suivre. Lui? C'est notre petit délinquant porcin. Gros balourd, tu lui as fait peur et maintenant il a disparu dans la forêt. Ne vous inquiétez pas, on va l'attraper. J'en s'en occupe. Ok. Mais la forêt, elle est dangereuse. Bon, t'inquiète. Ouais, c'est pas les bêtes sauvages qui y manquent. Raison de plus pour qu'on s'en charge. Vous auriez dû voir John dans le monde souterrain. C'était une vraie machine à tuer les monstres. On les a endormis. On les a pas tués. Enfin, si vous y tenez tant que ça, je vais pas vous empêcher. Hey. C'est pas un jeu, vous savez. J'ai pas l'impression que ce soit leur état d'esprit. À moins qu'il y ait des armes capables de tuer dans ce jeu. Attends, c'est pas... Le fusil d'Uva. La baston, c'est peut-être pas mon domaine. Mais je sais qu'Uva est une bonne tireuse. Elle vous fait confiance. Bon, dans ce cas, moi aussi. Alors, allez-y, donnez-moi une bonne leçon à ce cochon rebelle. Ouais, on s'en occupe. Faites juste gaffe à... Oh, munitions. Sans ça, ce truc n'est rien qu'un vieux tube rouillé. Ok. Et rentrez pas trop tard, la fête de la moisson, c'est ce soir. Ok. Bon bah, tout à l'heure, hein. Alors... Oh bah y'a... Ah c'est pour la petite. Ok. C'est quoi ce fusil? C'est quoi ce fusil? Ah ouais, je tue des champignons comme ça, dans la normalité. Bon, attendez, hein, parce que ça sert à rien, là. Ah d'accord, ok, j'ai compris ce qu'il faut faire avec ça. C'est quoi ce... Ok. Bon, on a claqué plein de balles, c'est pas grave. Mais attends, je comprends pas, du coup, elle vient pas avec nous? Tu viens pas avec nous? Ah, c'est parce qu'on est séparés, comment on fait déjà pour être des séparés? Ouais, c'est bon. On est séparés ou pas? Oui, c'est bon.
ce n'était pas ça qu'il fallait faire. Là, on peut passer? Non. Là-haut, faudrait aller là-haut. Okay. On est déjà allé là-haut. Bon, tant pis. On va changer de perso. Le fusio est un peu bourrin pour pas grand-chose. Ah, c'est des bombes. Ok. Ok. C'est quoi ce truc là? Bon. Ah. Ça a pas marché. On va réessayer. Comment qu'on fait déjà les... Ah, y a plus de bombes. Ok. Oh là là. Ah mince. C'est vrai, ça devient complexe un peu plus. Ok. Donc toi tu restes ici. Ok, j'arrive. Ah oui, donc du coup en fait faut qu'elle mette quand même à traverser. Ok. 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 Ah, vas-y tonton. Tonton. Faut juste le suivre en fait. Bon bah d'accord, t'es descendu, nous on continue tout droit, hein, t'inquiète. On arrive. Ah. Ok, donc du coup j'imagine que par contre toi tu vas rester ici. On arrive, 2 minutes. Ah. Ok, du coup j'arrive de ce côté. Ouh là là. Ouh là là. C'est pas possible ça. On va prendre le pistolet. Hein. Bon, pour l'instant ça va. Ah, peut-être qu'il fallait que j'aille en bas. Je sais plus. Alors, attendez, parce que là, je peux pas aller là. Ah oui, il faudrait que je pousse encore. Ok. Bah, reste ici. Toi, reste là. Non. Voilà, toi, reste ici. Nina, s'il te plaît. Nina. Nina. Arrête. Tu te fais les ongles au mauvais endroit. C'est pas ma faute, en fait. Je pense que ça aurait été compliqué si on était bloqué. Comment qu'on fait maintenant? Ah oui, j'utilise ça pour taper, ok. Ah, c'est intéressant.
Alors on va essayer un truc. C'est où? Je vois pas. Apparemment c'est pas là. Et là on n'a pas la clé. We don't have the key. Donc on va revenir en arrière. On va essayer de passer en bas. Ah, tout le monde sait. Par. C'était pas ça que je voulais, hein. C'était pas poser une bombe, hein, bien entendu. Je voulais juste changer de perso. Mais ça va le petit chat? Mais oui, mais c'est bientôt l'heure, je sais. T'inquiète pas, on en est bientôt prêt. Oh, on a eu des munitions. Oh. Ok, on va s'équiper. Ah mince, on a oublié le... Part ou pas, les deux. On part pas ici, nous on fait... pas dans la demi-mesure. Ah! Non! Une salle à la Zelda! Ça, c'est à cause du chat. Hein, le chat, c'est à cause de toi qu'on a perdu. Non, je sais, c'est là. On va s'arrêter. Attends, je veux juste voir où on arrive. J'arrive, je sais. On va récupérer toutes nos munitions. Ça s'est vu que j'ai pas fait d'effort en fait. Voilà, on va utiliser du manger. Mais viens avec moi, tu fais quoi? Ouais, c'est l'heure du manger, ouais. Les deux. On va tout tirer. Là où ça apparaît, on tire. Là, en bas. Ok, tu veux jouer à ça? Ok. Ça fait quoi? Ah, mais ils arrivent tout le temps? Avec moi. Mais voilà. Je suis désolé de vous avoir montré cette vision de moi. On a la clé du destin, la clé du destin. Faut pas aller là? Bah si, je me disais bien.
Ce découvre trésor est très bien. Hein. Oh, encore des limaces, purée. Bon, il m'énerve. C'est bon? Attends, 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 on prend de la vie d'abord. Ah, les diminutions. Je fais même plus attention à mes munitions, à la manière dont je joue, hein, c'est, on traverse. L'Ima, c'est vraiment le truc qui m'embête le moins. Faut juste mâcher. Ah, excusez-moi. Bonjour. Oh non. Au revoir. J'ai poussé une pompe sans faire exprès. On est censé faire quoi là? On est censé utiliser juste nos armes? Avec le pistolet genre? Tiens. C'est quoi ça? Pourquoi on peut passer là? Je sais pas. On passe en haut alors du coup. Ça sert peut-être pas à grand chose le pistolet. Hein. Contre les champis, sérieusement. Ah bah en tout cas on trouve de la munition. Il y a lui là. Ah presque. Bon, on trouve une sauvegarde et c'est parti. Faut te calmer tout de suite, là, les plantes venimeuses, c'est vraiment mon enfer. J'en peux plus. Je sais pas quoi ça servait à faire ce tour là, il était bizarre non? Quel est l'intérêt d'être ici? Elle est où la carte? Ouais on a fait déjà tout le tour là, faut aller dans l'autre sens. Oh là 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 là! Ça c'était vraiment pour avoir les petits bouts de sel qu'on a fait tomber. Moi je cherche, bonjour, je cherche un moyen de... Tu vas te calmer tout de suite avec ta bombe. Allez, casse-toi. Pars. Pars.
tout cas, c'est intelligent comme monstre, un lance-grenade, quoi. C'est un peu tourelle. Ok, bon, c'était pas mal. En fait, on est attiré par les ennemis, donc du coup, ouais, je comprends. Oh, je l'ai eu ou pas? Non, je crois pas. Esprit d'équipe. Ah, c'est juste parce que j'ai enchaîné les deux. La pierre, elle a bougé là, non? Ah, mais il lâche des copains. C'est moi qui ai dû taper dessus. Okay. Ok. Ouais, du coup, ça me fera repasser dans l'autre sens pour repartir dans l'autre côté, ok. Ça marche. Oui, petit chat. On trouve juste une sauvegarde et c'est fini. T'inquiète pas. T'inquiète pas, petit chat. Ah, faut que je change. Mais il y a une sauvegarde, bah voilà. Eh bien, on s'arrête ici. Eh ouais. À quel nombre d'arbres une forêt devient un arbre, un bois? Ça, c'est une grande question. Hein. Une grande question. Bon, on va faire dodo ici, c'est ça? Oui. Et nous, on s'arrête là. Bon, j'espère que vous avez apprécié le jeu. On se capte dimanche prochain pour le chip stream. Again, merci d'avoir accompagné ce let's play. Vous étiez nombreux, nombreuses aujourd'hui, c'est cool. Voilà, voilà. Qu'est-ce que t'as, le petit chat? Oui, je sais, je sais. Je finis pour toi, là, 2 minutes. Je vais vous proposer, du coup, d'aller voir toutes les personnes qui sont ici. Delphéa, entre autres, qui est toujours dans le coin, je pense. Donc, je sais pas si je t'ai fait une commande, Delphéa, mais du coup, allez voir Delphéa. Voilà, j'ai fait un appel sur son nom. Du coup, il y aura peut-être. Je vérifie si je t'ai fait une commande. Normalement, il y a. Mais je suis pas sûr. Je vérifie. Non. Bah, du coup, Delphéa, je vais aller chercher d'ici tout de suite. Hop. 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 Sur Twitch. Ah non, ça c'est le dashboard. Il y a Revin Bell aussi qui était dans le coin. Je ne sais pas s'il est toujours là. Yeld est toujours là plutôt. Merci Cybertopia aussi. Terrestrine était dans le coin. Revin Bell. Du coup, Delphéa, ça commence à. Il y a Twitch qui s'ouvre donc ça devrait arriver aussi sûrement sur peu.
Normalement, vous pouvez avoir accès à ces informations aussi en cliquant sur le nom. Que j'ai mis. Et arrivé à tout ce que vous avez besoin. Il y avait Titi Liwi aussi qui était dans le coin. Voilà. Je ne sais pas si Titi Liwi, tu fais des streams. Je ne suis pas suffisamment au courant. Voilà. Mais si tu en fais, n'hésite pas à balancer ton... à faire ta promo, c'est le moment. Attendez, je vais chercher Twitch TV. Voilà. Normalement, il y a tout... Alors, justement, je rajoute des commandes au fur et à mesure. Donc, c'est pour que tout le monde puisse être en chatote. Hein. Bonne soirée, oui, à toi, du coup, Delphéa. Je vérifie, voilà. Donc, cliquez, hop. Normalement, je suis en train de faire le travail, mais je fais le travail à la main, partout. Oui. Non. Je sais pas comment ça se passe. Comment on fait? C'est quoi ce téléphone de l'enfer? Je peux pas copier-coller. Qu'est-ce qui se passe? Trop bizarre. Attendez. Est-ce que ça rame incroyablement? C'est possible? Oui, ça a l'air d'être ça. Allez, hop. Tu me dis s'il y a une faute dans le truc, mais normalement, c'est ça. Donc, pour Delphéa, hop. Oh là là. Et du coup, faut que je mette à jour. Hop. Je crois que je t'ai vu jouer à Sable récemment, mais je sais pas si t'as fini. Je suis pas sûr où tu en es. Et j'ai essayé de le récup. Je trouve qu'il est un peu compliqué pour mon laptop. Il y a aussi... il y avait d'autres personnes qui étaient dans le coin. Je sais pas si tu es toujours dans le coin aussi. Kakushurikorora. Shurukuriora. Voilà, Kaku. Cœur. Je vérifie du coup le truc. Titi Liwi ne stream pas. Oui, donc... il y a Fallout Guys aussi. Fallout Guys. Fall Guys, plutôt que de faire jouer récemment. Donc allez voir. Voilà. Il y a Raving Bell qui a joué à Sea of Thieves il n'y a pas longtemps. Hein. C'était aujourd'hui, je crois même. Et du coup, on va aller raid, hein, je crois que c'est le principe, vu qu'on est 7. Alors, non. Il y a Ayla. Voilà, on va aller voir Ayla. Retour aux mêmes bases. Ah oui, d'ailleurs, cette chaîne est affiliée, mais a la possibilité d'être affiliée. Nous ne savons pas si on va s'affilier, tout simplement. C'est un peu nul peut-être que ça nous met plus en avant, je sais pas, mais on verra. Pour l'instant, on s'en fout. On s'en fiche. Chanel. Bon, j'espère que vous avez bien apprécié. C'est plutôt joli là, je vois en retour, c'est cool. Donc, je vous envoie chez Ayla. Faites des bisous en arrivant ou des cœurs. Des cœurs, c'est bon. Voilà. Ça marche? Bon, see you. Jeudi, n'oubliez pas, il y a chronologie. On continue chronologie des femmes artistes. Donc, je vais peut-être taper. Attendez. Attends, petit chien. Je veux voir si ça fait... non, ça fait pas du tout une commande. Bon, voilà, il y a chronologie. Jeudi, à 21h, comme d'habitude. On continue la fin du Discord de nos trouvailles. Voilà. Et ensuite, du coup, le chip stream à 14h. Bon, see you. Je sais pas combien de temps, voilà. Je sais pas comment ça fonctionne suffisamment. On va dire que ça va se passer. En attendant, je vous laisse le son. Et je vais attendre avec vous. J'espère que vous avez bien apprécié ce petit passage.